Tatamayo, Tatamayo, Matera Buntobu. You Matero to his Obamae. Bama Sara Kebe Pum Pum. Bama Satero Dongi Chancharan Chong. Bamba la Boitu. Tu as dit que tu revenais au boulot après ton entretien. Il y a plus important que le boulot, gars. Tu t'es enfin décidé à te lancer dans la politique. Waouh! Mon ami, dis-moi, c'est la meilleure décision que tu aies prise depuis qu'on se connaît. Tu as choisi de militer dans quel parti? Je te proposerai. Naomi! Quoi? On a rendez-vous tout à l'heure à 16h. Tu vois, je ne pourrais pas être au boulot car je dois m'apprêter pour ne rien manquer. Hein? Oui. Tu as fini par avoir un rendez-vous avec elle. Ah oui. Dis-moi, vous verrez où? Voilà une question que je ne me suis pas posée. C'est pas grave. Il faut l'appeler. Soit pour lui proposer un endroit où vous serez seul, soit pour lui demander un endroit où vous vous sentirez bien. Je n'ai même pas son numéro. Et tu fais ça comment? Mince. Voilà les erreurs qu'un homme politique ne ferait jamais. Les gars vivent sur la planification et l'anticipation. Gars, comment tu peux caler un rendez-vous avec une fille et tu n'as pas son contact? Wonderful. Je vais passer chez elle. Je vais passer chez elle. Ok. Comment je ne prends même pas son numéro? Je ne peux pas voir une fille, prendre rendez-vous, je ne prends même pas son numéro. Moi aussi. Je suis heureuse que tu aies accepté de sortir avec Patrick. Ne va pas te faire des idées. J'ai accepté ce rendez-vous juste pour lui faire plaisir. C'est vrai que j'ai aussi envie de changer de temps en temps loin de cette maison. Il est vraiment amoureux de toi, ce gars. Dommage, car il ne me tente pas. Naomi, on ne sort toujours pas avec un mec parce qu'on l'aime. Mais parce qu'il se soucie de nous et nous fait sourire. Et Patrick est le prototype. C'est vrai qu'il est cool, mais c'est pas le genre d'homme avec qui je me vois entretenir une relation amoureuse. Tout commence toujours par un rendez-vous, puis un autre et un autre. Je te sens excitée à chaque fois qu'on parle de ce gars. Je rêve d'être à ta place. Mais dommage, il me regarde différemment, comme une amie. Iyawan. Oui, à la croco. Groko ko poaga mandemwem. We defer miss by marong denga wobuyo. Groko ko poaga mandemwem. Yeah. Oh, my yawan. Ezuva mandemwem. Aujourd'hui est férié, fille. Je vois comment tu es au salon. Après, tu as viré à la capitale pendant 5 jours. Voilà, Lucie, la femme a risqué de tout nous chasser de son salon. Oui. Si nous revoyons nos fréquentations, qu'est-ce qui nous arrive vraiment? Je me dis toujours que rien n'arrive pour rien dans la vie. Peut-être. Dans le cas des professeurs Brenda, Celia et moi, ça se comprend. Nous souffrons toutes à cause des choix de nos hommes. Et voilà que lui s'occuper de ses problèmes, elle s'intéresse toujours aux nôtres. Je suis sérieuse, la fille. Et toi? Toi qui es toujours attirée par des hommes mariés, tu ne trouves pas que ça t'apporte des ennuis? Et moi qui faiblis toujours devant les paroles des hommes, et toi dans tes tristesses avec ta mère, quelle est ta responsabilité? Le fait de ne plus lui donner de l'argent et d'économiser pour ma formation. Non, oui. Tu comptes vraiment y aller pour cette formation? Elle est plus importante que tout. J'économise pour ça depuis plus d'un an. J'aurais dû terminer avec cela depuis mai. Les circonstances de la vie ne m'ont pas permis. Les filles,
Je ne voudrais pas d'un homme qui me chiffonnera parce qu'il est le seul à gérer tout à la maison. Nous méritons plus que ça, je pense. Pouvoir épauler nos marées, faire des réalisations dans nos familles sans toutefois attendre de l'homme. Tu as des projets après ça, hein? Bien sûr. Ouvrir un centre d'esthétique à la capitale et dans d'autres villes. Je voudrais, si possible, lancer ma propre gamme de produits sur le marché. J'avais des projets avec ces hommes, mais tous sont dans l'eau. Je croyais profiter d'eux et m'installer un jour à mon propre compte, mère. Ils ont toujours su se servir de moi. Je les ai servis sans pouvoir me servir. Comment ça, sans pouvoir te servir? Elle veut dire que ces hommes l'ont utilisé et elle n'a rien profité de la relation. Ne me dis pas que tu pars déjà au rencard. Il n'est que 14h30. Comme je n'ai pas son numéro, il faut que j'arrive à temps. On va décider de l'endroit où aller. C'est une bonne idée. Pâte de pâte. Tu es chaud comme un représentant politique qui s'apprête à faire un discours. Tu as le charisme des politiciens. Et je t'imagine là à la télé en train de défendre les jeunes au chômage, tout en décrivant les problèmes d'eau et les coupures d'électricité répétitives dans ce pays. Mon ami, fais la politique, pardon. Fais la politique, non? Je veux me vanter avec toi. S'il te plaît. Ok, merci Antoine. Là, je suis en retard. On en reparle à mon retour. Tu mets les clés où d'habitude? Je vais me reposer avant de rentrer. Bonne chance. Ok, à plus. Ce gars a quelque chose qui ferait de lui un très bon politicien. Mais il se néglige. Depuis combien de temps tu ressens ces symptômes? Des semaines déjà. Ça pourrait être des amis, mais rien de grave. Célia, ta poitrine a pris du volume. La couleur de tes yeux a changé. Et tu as des nausées. Monsieur, je ne l'ai pas fait exprès. Mais gardez vos excuses pour vous, madame. Attendez que je vous apporte de l'eau pour vous nettoyer. Ah. Il ne me plaît en ce moment. Vous venez tout gâcher, madame. S'il vous plaît, monsieur, mais gardez votre eau pour vous, madame. S'il vous plaît, monsieur, nettoyez-vous. J'espère au moins que Célia connaît l'auteur de sa grossesse. Comment ça tu espères? Est-ce que c'est une enfant? Et en plus, elle t'a dit qu'elle n'était pas enceinte. Et tu l'as cru? Célia est enceinte et elle présente tous les symptômes d'une femme enceinte. En tout cas, ça reste encore une information à vérifier. Yawel. Oui, à la croco. Croco que poids gamandé mouem. Oui, t'as fait mes pas marron d'enga ou bouillot. Croco que poids gamandé mouem. Oh, ma yi yawe. Mais je vais mandé mouem. Bundaka,
Kalebama lana mumar la hep kendem.